Comme chaque mois, voici un nouvel événement de la MC4 Team. Les événements sont ouverts à tous. La date du prochain sera bientôt délivrée en même temps qu'un trailer de la map qui sera utilisée. L'IP du serveur est dans la description. Hors événement, ce serveur est dédié à la survie. Toutes les informations, ici vous avez une annotation. L'event numéro 1 du 17 avril 2016 consistait en un Random Fight Tournament. C'est une map que j'ai créée moi-même, sans l'aide des Persona, qui consiste en des combats 1v1. Sur une map rappelant chaque environnement de chaque saison de Minecraft, vous êtes offert à l'exception de la dernière. Les combats 1v1 se lançaient dans un ordre totalement aléatoire, le dernier à survivre gagnait. A la clé de cet événement, un VIP le temps de 2 mois sur le serveur survie de la MC4 Team Minecraft, vous êtes offert. Voici la rediffusion de l'event de mon point de vue. Restez abonnés à la chaîne de la MC4 Team pour participer au prochain. Courageux de crouler. Bonjour les Minecraftiens, ici Jean-Kevin, oh lol, pour un nouvelle vidéo, un event en compagnie d'une bonne partie de la MC4 Team et de ses abonnés. Bonjour, bonjour. Ça va être trop marrant, on va se foutre sur la gueule. Oh. On a déjà commencé d'ailleurs, donc on est en compagnie de Frosty. Mais... Salade de chez Moucho, bonjour. Mister Fanax. Bonjour. Spirit. Aïe. Arrêtez avec vos flèches. Ce bâtard. Mais arrêtez de vous entretuer, c'est pas bien. Où est la charlisation en tout cas ? Tiens, Crolix est revenu. Elle est pas là, voilà. Merde. Putain, mais... Oui, les bugs. Bon, on va utiliser la technique YOLO, on va dire... Operator Reset. Voilà. Oui. Ça ramène tout. On fait ça dans les règles de l'art, parce qu'on n'est pas des connards. Donc j'ai pas fini la présentation, donc Mr. Fanax, Spiritus. Oui. Voilà. Bonjour. Zuvix qui n'est pas sur le vocal. Girlfriends. Zuvix. Y Zuvix. Coucou. Moi, bonjour. The Creepy. Salut. Et voilà, ça fait beaucoup de monde déjà, mais on attend d'autres personnes. On est connecté actuellement sur Twitch. Une poupe. Heureusement que j'ai arrêté à temps. Et heureusement que CLB m'a coupé du vocal. Ah, parce que sinon, les gens, ils auraient pu être choqués. Ouais. Et donc, du coup, voilà, qu'est-ce qu'il a dit. On a fait la promotion du live un peu partout où on pouvait. Il n'y a plus de miracle. Là, on attend des gens, c'est tout. Et les events pourront commencer dès ce moment-là. On a déjà fait un certain nombre de matchs amicaux. De matchs amicaux. C'est peut-être du mettre par contre que les tracks sont autorisés. Je vais essayer d'utiliser mon portable malgré qu'il n'ait plus que 10% de batterie. Peut-être qu'on charge. C'est un super câble USB pour. On va organiser ça en plusieurs manches. Ouais, mais j'ai pas sur moi. Oh bonjour. J'ai eu le petit prix juste à côté de moi. Mais qui a lancé un combat là, sérieux? On commence, c'est parti. Moi aussi. L'event commence et challengers sont. Frosty 29, Mr. Fanax, Spirit Wolf, Zavix, Girlfriends, CLB, The Creepy 31, Romain 51 91, Wondershock, Krolix, Alfwick. Let's go! Moi aussi! Ah bah tiens, un combat commence! Tant de tension qui et je suis dans le premier, j'espère que je vais pas mourir. Oh là là, il y a Romain pour quelqu'un d'autre. Putain, mais Romain, mais il le fait exprès ma parole. What? Ouais, je pense que c'est un petit fun qui court. Bon bah, j'ai gagné un combat. Bon bah, lol, bah, il était éliminé, mec. C'est tout. Normalement, je devrais descendre, mais j'ai pas pu le faire parce que. Eh, salut! Parce que j'avais pas tué directement. Donc, c'est qui contre qui là? Waouh, j'ai un peu de latence. Donc, premier éliminé, Romain, parce que je note. The Creepy arrête de TP. Voilà. D'accord. Vas-y, attends, essaye de camper. J'ai 16. Hey, oh. J'ai amené ma tante. Les gens se fight, mais dans le. Respect plutôt. Dans le vide. Allez, allez, allez. On les gens se fight sous les tentes. Bon, on voit pas grand chose quand on n'est pas encore éliminé, mais faut imaginer. Et là pour l'instant, on sent que c'est une grosse bande de campeurs qui a fait ça. Non, tu crois ? Tu peux redescendre. Franchement, je te l'ai dit, annule les flèches. Tu sais, quand tu te prends une flèche alors que tu gères l'event, c'est un petit peu comme, comme un prof qui se prend une boulette de papier. Bon, alors, il est passé où ? Il est passé où ? Genre, je commande Ding qui a fait ça. Qu'est-ce que tu Je campe pas, je temporise. Il y a une grosse latence. Je crois que Makou est un peu en PLS. Ta couille ? Ouais, un petit peu, ouais. Oui, là, ça couille. Mais je crois, Watershock, c'est ouais, là, ça craint un peu quand même. Voilà. Hein. Ça bon. Craint un peu. Oh là là, c'est tellement serré. Et ben non. Fanax a été tué par The Creepy. Et oh là, un nouveau coup. Et voilà, donc deuxième éliminé, Mr. Fanax, déjà. Quoi déjà
au deuxième fight quand même. Et c'est The Creepy. Con. The Creepy qui joue sa vie contre Zuvix. Est-ce que Zuvix réussira à obtenir un VIP dont il ne pourra même pas se servir vu qu'il a un compte craqué? Mais oui. J'avoue, c'est quoi ces prix de merde en fait qu'on a mis? Bah oui, mais si on est ou MC4 ou VIP à gagner, c'est le numéro 2 qui a le prix. Ouais, t'as très fort. Ouh là là, The Creepy est en mauvaise posture. C'est en position latérale de sécurité. Attention, attention, est-ce qu'on part sur une émission? Va peut-être s'en sortir. Est-ce que The Creepy va crever? Mange une pomme. The Creepy doit manger une pomme ou périr. Mange. L'arrivée d'un pomme, c'est la vie. Watershock n'arrive pas à relancer. The Creepy régène. Seulement bordel quand on pas foutu. Mais est-ce que cela va faire la différence? Alors Ben, j'ai l'impression que Ben, il a pas le tir du 8 qu'il y a normalement derrière son pseudo, donc soit il a changé de pseudo, soit c'est un imbécile qui essaye de se faire passer pour lui. Bravo. The Creepy éliminé a été battu par Zivix. C'est pas lui. Salut. Ah ok, Frosty, c'est pas étonnant. Ça va? Ça me convient. Oula. C'est pété la gueule. Tu vas me dire, moi je suis OP donc. Watershock. Ça sert à rien. Trop spirit. on se touche même. J'espère pas. Que. C'est beau. Ah bah tiens, c'est un message d'Alfwick. Hein. Désolé Alfwick. Mais j'espère que c'était pas toi qui se connectais sous le nom de Ben 13. Alfwick, donc participe à l'événement. Water est en mauvaise posture. Water est en mauvaise posture. Il va prendre. Et Water, Water régène. Water régène. Oh là là, Water, Water contre Spirit Wolf. Water, il a du mal, mais Spirit Wolf se défend. Plus qu'un demi-cœur pour Water. Water est éliminé. C'est bon, je l'ai eu. Un nouveau combat commence. Et donc le combat opposera. Your friends. The Creepy, Frosty, contre un campeur anonyme qui est Frosty 29. Alors fais attention, Frosty, bon endroit, parce que là, ben, pour le coup... Et du coup, Girlfriend se lance dans du camping. Oh merde, Underboy était là, mais il est reparti, on ne sait pas reste pourquoi. Ici, Girlfriend, conseil de pro, enfin si elle a l'air bah, j'ai trouvé. C'est de ne pas camper, c'est j'ai juste tu campes, quand tu restes... Oui, mais non, mais au lieu de l'abattre, tu l'attends. Et on a masse de monde, c'est quand même super cool pour un premier event, je m'attendais pas à, bonjour. À une telle c'est des échanges. Oh salut Watershock. Je m'attendais à avoir c'est tout pas spécialement, à personne. Tu t'es fait éliminer comme une merde. Je suis dégoûté. On a 400 abonnés. Et pour l'instant, on est sur une espèce d'égalité hein, pour l'instant et j'entends pour l'instant hein, c'est un peu égalité, un demi-cœur de moins et puis là c'est full. On doit faire quoi? Se foutre sur la gueule. Tout simplement. Crolix, pourquoi t'as left? Crolix! Crolix! Ah! Il y a juste left join, ok. C'est. Allo, là, les petites chansons. Et voilà, et c'est parti pour le fight au corps. Il va y avoir d'autres morts. Girlfriends qui prend cher. Oh, Girlfriends. Girlfriends qui était rapide. Elle s'est fait défoncer. Est-ce qu'il y aura d'autres manches ou pas en fait? Non. Après celle-là. Okay, parce que bon, c'est peut-être que je vais me déconnecter du serveur juste pour qu'au moins je puisse faire du montage. C'est LB lui-même. C'est LB. Voilà. Oh, je me bats contre Alfwick. J'ose espérer que ce monsieur n'a pas. Putain. C'était beau. Il m'a déjà enlevé un cœur d'absorption. Allez. Putain, c'est vrai qu'on a pas les Underpearl. Tu prends cher. Oula. Putain, non, je ne veux pas mourir c'est contre Alfwick, putain! Alfwick prend tellement cher! Mais putain, comment Alfwick il fait? Il se tépait le mec, il a aucune connexion quoi! SVP. Putain de merde! Le pouvoir de la no-connexion! Mais c'est toi qui a aucune connexion, CLB, t'as que 3 barres! Ah bah oui, mais je suis en train de. Et CLB s'enfuit lâchement avec un cœur ennemi! SVP, passe déjà coup! Bah, je crois que tout le stuff il est là, bah non, il y a juste un. Putain de merde! Ça m'a l'air plié là! Ah, bordel! Un petit peu! Voilà. The Fell Out the World. Ah, c'est ce qu'on appelle. Je suis déçu. Non, je suis déçu. Choqué et déçu. Choqué et déçu. Alors. Un nouveau combat. Donc, c'est Zuvix. Avec Zuvix contre Frosty. Zuvix contre Frosty. Ah, ça commence à camper joyeusement dans les campagnes. Et c'est parti. Bon, moi par contre, je pense que je vais me déco pour le swag montage. Ouais. Vu que de toute façon je suis mort, j'espère que le gagnant va pouvoir gagner son compte. C'est serré, mais Frosty 29 est légèrement désavantagé. Son VIP sur le serveur. Égalité. Égalité parfaite. Son fin de version craquée. Que va-t-il se passer? Bon jeu et bye.
Bye. Un montage, moi. Bye. Et je vais rester sur le vocal parce que j'ai juste à tout. Il y a beaucoup trop d'égalité voilà. Là. Oh là là, oh là là, Zwix a pris très cher. Zwix est très mal. Et Frosty, c'est un warrior, mine de rien. Contre Alfwick. C'est parti. Spiritus contre Alfwick. Spiritus a pris cher. Oh putain, mais comment il fait pour gérer comme ça, Alfwick, sérieux? Putain, c'est un warrior, Alfwick, quoi. Oh, c'est... Oh, on n'est pas loin, on n'est pas loin, mais... léger avantage pour Alfwick, quand même. Oh, Spiritus. Spiritus qui fuit comme un H, j'ai l'impression de voir mon propre combat, là. Sauf qu'Alfwick a pris une bombe dorée, et que donc, du coup, t'es grave dans la merde. Propre mort. T'as deux cœurs et demi, il est full life. Les trois cœurs 10, c'est cool. Il te reste combien de cœurs? De nouveau full life, bah les couilles. Quelle lâche de jeu. La petite se promenade. La violence. Mais oui, il faut pas se faire de mal. Surtout que Spiritus, ça lui réussit pas la violence pour l'instant. Non. Ah, c'est relativement serré. Tu es continuellement pacifiste. Voilà. Oh, Alfwick a gagné. Putain, j'ai pas envie de voir Alfwick. Oh là là. Alors désolé, là vous avez perdu un segment de vidéo. Alfwick est mort et puis bon bah tant pis, hein, je peux pas tout récupérer, hein, j'ai des petits soucis de record. Bref, là c'est la finale, Frosty contre Krolix, donc enjoy. Putain. Les gens qui voulaient savoir combien de cœurs fallait appuyer sur tab. Pourquoi mon record s'était arrêté là? Bizarre, bref. Pas très grave. Parce que fuck. Ouais, là c'est la temporisation. Voilà, ils temporisent, on est tous d'accord. Battez-vous! Il nous offre un match palpitant. Il fout après le fight, j'ai pas vu voir un RT. Mais moi non plus, pas plus. Hein. La tension est là. Bah, Frosty va devoir le tenter à la finale. Grande finale de notre premier event. Grande finale du premier event de la Hexagat Team, vous serez prévenus sur la chaîne évidemment quand il y en aura un deuxième. Le deuxième sera Krolix dans un mois. Krolix semble avoir beaucoup de mal à viser son adversaire et Frosty fait tout son possible pour le déconcentrer. Oh, il l'a touché! Oh, c'est magnifique! Ouais! C'est magnifique, mais sachant bon, qu'il y a de la régénération naturelle. Bon, mais il est toujours en vie, il faudra que Krolix fasse plus que ça pour mériter son. Oh, Frosty se lance à l'assaut, mais ça ne sert il absolument essaie, à rien. Il essaye, mais ça ne marche et donc, pas. Il c'est pas très fructueux. Et oui, tant que Krolix est sur sa maison, il est relativement. Ça y est. On appelle cette. Mais il se prend une flèche. Et Krolix vient de prendre une pomme en or. Frosty. Ah, et c'est parti la merde. Pour le combat. C'est parti pour Let's le go. Combat. Ah, bah voilà, là il y a les choses intéressantes. C'est serré légèrement pour Krolix. On Krolix est revenu. Pas loin, Krolix est pas loin. Il régène bien. Krolix a du skill, mine de rien. Krolix est bien. Tiens, bah y'a Zurax qui se pointe en plein milieu. Ouh, on est peut-être à un moment. Ça fait un bon régène là. Ouais, ça régène bien. Ah, ça régène bien. Ça ah, et c'est reparti. Eh, y'a un truc important à savoir. Ça se bat. Krolix prend cher. Zurax va se retrouver en finale ou je rêve? Frosty semble avoir pour l'instant l'avantage. Alors que Frosty est fou. Frosty, mais Zurax en game 3, il arrive trop tard. Mais Krolix reprend de plus en plus sa régène. Ta ta ta. Il y avait du rock qui s'est connecté, mais je peux pas accepter. Ça, c'est de la finale. Allez. Et tu tues. Krolix vient de prendre une pomme. Arrêtez de vous connecter au pire moment possible. Et ben. Ça, moi je me suis copié au bon moment. Voilà, c'est. La Krolix commence à prendre pierre. Ça me l'air très très mal engagé. Pour lui, plus qu'un demi-cœur. Un cœur. Mais tu tues, il vient de bab. Et c'est la flèche du destin qui s'abat sur Krolix. Frosty qui a gagné. Frosty remporte la victoire. Il gagne 2 mois de vie avec le Sun. Voilà. Alors, je compte remercier ma mère, hein, qui a rien fait du tout, mais c'était bien. Hein, moi je veux la revanche. Je veux la revanche, la revanche. Je veux la revanche. Et donc voilà. Je vous donne l'ordre de Event. Alors en dernière position, Romain 51-91, ensuite Mr. Fanax, ensuite The Creepy, ensuite Watershock, ensuite Girlfriends, ensuite moi, ensuite Zuvix, ensuite Spiritwolf, ensuite Alfwick, ensuite Krolix et enfin Frosty qui gagne l'Event. Ça va, je suis pas trop mal classement. Ouais, bah moi je suis pas trop mal classé, je suis pas dernier. Non mais moi je veux m'en revanche. Moi je suis meilleur que le gars qui s'est suicidé. Respectez-moi, j'ai une flèche. Putain, il y a trop de monde sur le Discord, c'est n'importe quoi. Allez, à poil. J'étais obligé de tuer Frosty, je suis désolé, c'est lui qui a gagné, mais il y a trop de bruit derrière, sérieux. Piri, je suis en marche. Je l'ai interpellé avec joie, mais j'ai pas envie, voilà. Parce que je suis eh bien, un voilà, bâtard, c'est... Allez, salut. Putain, mais je rêve où mon frappe, Frosty, c'est... Frosty.
Je rêve où mon Fraps s'est barré de lui-même. Oh, Wizard, il est là. Il est en retard. Ok, le logo Fraps ne veut plus être en place. Bon, bah, Fraps arrache kit, hein, littéralement. Bah, en fait, c'était parce que mon Fraps filmait mon OBS, en fait, ce qui est complètement con. Est-ce que vous pouvez voir d'ailleurs si je dézoome l'image au maximum? Lol. Ah, bah, les types arrivent trop en retard, quoi. Ah là là. Aïe! Oh, j'avance. Ah, vas-y, on peut taper Frosty, on peut taper Frosty. Seulement à l'arc. Yolo, j'ai que. Aïe, aïe, aïe. Je connais, laissez-moi tranquille. Non. Frosty, suis ça, Frosty. Spirit. Merci d'avoir suivi ce gros event dans sa totalité. N'oubliez pas de rester abonné à la chaîne de la MC4 Team pour être au courant des prochains. N'oubliez pas, tout le monde est invité. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. J'ai pris beaucoup de plaisir à monter ce premier épisode des events. Et n'hésitez pas non plus à aller sur notre serveur quand vous en avez l'occasion, car c'est également un serveur survie. Et comme d'habitude, toutes les informations sont totalement en description. Si c'est pas merveilleux ça. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous donne rendez-vous pour le prochain. C'est CLB. À bientôt tout le monde.